Liste à tous les agrès, se sont qualifiés pour le concours général et on peut dire, Benjamin, que c'est le gymnaste complet, celui qui remporte le concours général. Oui, c'est vraiment là où le gymnaste peut s'épanouir sur les six appareils et c'est là où ça devient vraiment difficile parce qu'il faut être à la fois bon partout et régulier. Voilà, la crème donc, de la crème. Et puis la crème de la crème avec le roumain, bien sûr, Marianne Dragulescu, l'ukrainien Roman Zozula, l'espagnol Rafael Martinez. Enfin, vraiment, on va se régaler. Et pas de français, Michel, parce qu'on le rappelle, hein, hier par équipe, ils ont été médaillés de bronze français. Ils ne sont pas là aujourd'hui, c'est un petit peu le prix à payer. Expliquez-nous pourquoi. Ah, bah, c'est très très simple. Là, on n'avait pas présenté, l'équipe de France n'avait pas présenté de généraliste. Il fallait marquer le point possible à chaque agrès. Donc en fait, il n'y a pas eu un gymnaste qui était à même d'être bon à tous les agrès. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a un gymnaste français qui a participé à tous les agrès. Mais ça, Benjamin, on le savait d'avance. Oui, c'est vraiment beaucoup de joie hier avec cette médaille de bronze par équipe, par le concours par équipe de l'équipe de France. C'est vrai qu'on avait visé le concours par équipe et les finales par engin. Donc on avait mis de côté le généraliste qui devait être soit Dimitri Kerbalenko ou Benoît Karanok. Et on a préféré vraiment solliciter l'équipe au maximum pour viser cette médaille, pour mettre fin à cette longue suite de quatrième place auquel nous étions habitués. Et d'ailleurs, Géraldine, demain, lors de la finale par appareil que l'on suivra également, il y aura à la finale des parallèles Yann Kutchera, ce même Yann Kutchera qu'on retrouvera à la finale de la FIX. Voilà. Eh bien, écoutez, très bien. En tout cas, c'est parti pour ce concours individuel. On vous laisse, Michel, Benjamin, puis on vous retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. Concours individuel qui a donc, enfin concours général qui a démarré il y a quelques instants. Et d'ailleurs, nous en sommes toujours à la première rotation avec, donc on a vu ce Finlandais qu'on a vu au saut de cheval. On va aller d'un élément à un autre. Il y a bien évidemment, on concourt sur les six appareils, mais il n'y a que deux appareils en même temps. Et je pense qu'immédiatement après, nous allons nous retrouver, je pense, au parallèle. Nous allons découvrir ça un petit peu d'ailleurs en même temps que vous, une fois qu'on aura eu les notes de Sami Aalto. Note pour l'instant assez, pas faible, mais pas terrible. Alors finalement, on va sur les arçons, on va essayer de jongler un petit peu avec ce concurrent suisse, Niki Boschenstein, qui aux arçons avait réalisé un 8-650 hier. Jeune gymnaste, 19 ans, un petit peu l'avenir de la gymnastique suisse. Allez, on voit ça avec vous, Benjamin. Oui, c'est vraiment un très jeune gymnaste qui hier a fait une prestation plutôt moyenne avec un 8-675. Il a essayé de relever le niveau. On voit ici un passage en ciseaux, le début des exigences avec le travail sur les poignets. Il relance avec des balades, des traversées en avant et en arrière le long du cheval. Le travail sur Arson qui a la chute et... Il réitère encore la chute qu'il avait effectuée hier, au même endroit il me semble. Ouais, donc passage délicat. Passage délicat juste avant la sortie, on voit qu'il n'y a plus de rythme, il est obligé de fléchir les jambes pour essayer de rattraper et il n'y arrive quand même pas. Allez, on va repartir donc à l'endroit où on s'était arrêté, mais bien évidemment ça casse le rythme et puis forcément il laisse un peu de jus. Non seulement ça casse le rythme et puis ça lui fait perdre énormément de dixièmes sur sa note de départ. Donc voilà, là il est obligé de faire sa sortie avec une valse complète. Ce qui aurait pu être un très bon petit mouvement pour un généraliste aussi jeune que lui. Mais malheureusement, sa note de départ va vraiment s'abaisser de 3 ou 4 dixièmes. Voilà, et ce qui est dommage, hein, c'est un petit peu le même principe que lors du concours général d'hier, mais ramené à l'individualité. Bon, faut être bon partout, faut essayer d'éviter les grosses erreurs. Il faut surtout être très régulier, et c'est ça le plus difficile, parce que la gymnastique avec ce code de pointage actuel demande vraiment beaucoup de spécialisation, notamment sur les anneaux et le sol ou le saut, ça devient très difficile d'être bon partout. Un phénomène à la barre fixe, Blaž Puljić, le vieux grognard de la gymnastique slovène, il a 32 ans, il est sur le plateau international depuis 1994. Ici on voit le soleil d'un bras, qui va sûrement compliquer d'un ginger, rattrapé à bout de bras, parfaitement maîtrisé.
faire son passage de combinaison. Et non, c'est une sortie en backfield groupé. Petit mouvement pour ce vieux Oscar. Ouais, c'est un sorte d'équipier modèle, hein, parce que durant toute sa carrière, il n'a jamais eu un palmarès énorme, sauf qu'il avait blessé d'ailleurs le talon, semble-t-il, qui vit un petit peu aussi en marge de la fédération des autres gymnastes, tout simplement parce qu'il vit en Australie. Mais bel exemple de longévité quand même. Hein. On a vu les notes de Bockenstein, hein, 850, c'était quand même assez faible, mais enfin on vous a expliqué pourquoi, et voici donc la première rotation. On revoit ce concurrent slovène au ralenti, au passage sur un bras, qui prépare le lâcher en ginger, qui n'échappe avec un demi-tour, qui rattrape à bout de bras. Seule grosse difficulté de son mouvement, c'est le endo en prise de soleil. La sortie qui ponctue son mouvement en alphine groupé, un double saut périlleux groupé avec une pirouette, avec un bon petit pas à la sortie quand même. Voilà, et pour l'instant c'est pas véritablement une surprise, c'est le Roumain Dragulescu qu'on n'a pas vu parce qu'il est passé en tout début de programme, qui mène la compétition avec un 9-712 au sol pour l'instant, devant Raphaël Martinez, 9-612 au sol également, suivent le Tchèque Martin Konechny aux arçons avec 9-387, et puis le Slovaque Samuel Piasecki, 9-137 au parallèle. Je vous l'ai dit, hein, donc vous voyez ici le classement. Après la première rotation, je pense qu'on va se faire un petit plaisir parce qu'on a le temps tout simplement. Donc dès que les classements seront passés, on va revoir Dragulescu au sol, puisque bien évidemment c'est quand même une attraction, hein, Dragulescu qui avait fait un 9-725 hier au sol. On le regarde, Benjamin. Et on voit ici avec une entrée très spectaculaire, double saut périlleux attendu avec un salto à écart, arrivée plat ventre. Vraiment une difficulté exceptionnelle. La deuxième diagonale ponctuée d'une double vrille de plein pied, un salto tendu avec une vrille et demie, avec un petit pas à la réception. Travail latéral en tempo, vrille et demi, vrille avant. Beaucoup de facilité, on sent qu'il rebondit, il n'y a vraiment aucune hésitation. Le passage en boucle Thomas. Le passage obligatoire chorégraphique qui permet aux gymnastes de récupérer. Pouvoir effectuer sa sortie avec une rondade flip full groupée, pitch chute pour le Roumain Dragulescu. Vraiment un bon mouvement. Beaucoup de contenu acrobatique, comme toujours. Beaucoup de difficultés, très aérien. C'est un mouvement très physique. On le voit d'ailleurs à son gabarit et à sa masse musculaire que c'est quelqu'un de très dynamique. C'est une boule de muscle. Hein. C'est une boule de muscle. On voit ici son entrée, je pense. Non, c'est sa sortie en full groupé. Parfaitement maîtrisé. La 9-712, bonne note. Je pense qu'on va passer à Denis Savenkov maintenant sur le cheval d'arçon, donc qui était Savenkov passé lui aussi il y a quelques instants. Bon, c'est bien évidemment le sol, hein, qui est quand même peut-être plus son appareil de prédilection, mais on va voir donc ce Bélarus. 9-637, je disais. Ah, il semblerait qu'il était tombé juste avant la sortie. Alors ça, c'est ce qui s'est passé donc en tout début donc de retransmission. Donc un petit problème pour Savenkov. On n'a pas véritablement vu ce qui s'était passé. Deuxième rotation,
de l'après-midi. On voit ici à l'échauffement au parallèle l'un des deux Finlandais. On va retrouver le groupe fort hein, avec l'Ukrainien Roman Zozulia, l'Espagnol Rafael Martinez, le Russe Nikolai Kriukov et le Roumain Marian Dragulescu. Tous ces gens seront aux Arçons. Dernière période d'attente. Je vous rappelle qu'il n'y a que deux concurrents qui passent en même temps. Ici au sol, le Luxembourgeois, Sacha Palguen, que l'on va voir. C'est sur lui que la caméra va s'attarder. Sacha Palguen, là aussi, un jeune concurrent de 20 ans. Et il rentre avec une double vrille, demi, salto avant coupé, salto avant vrille. Un petit peu hésitant sur la réception, un petit peu bas. Commence une deuxième diagonale avec une vrille et demie tendue, vrille et demie. On sent qu'il a des petites difficultés à terminer son acrobatie. Le passage en cercle Thomas, très rythmé. Le passage qui permet au gymnaste de récupérer et de se préparer à être dans les meilleures conditions pour son passage latéral. Passage latéral qui est une exigence, qui est une acrobatie relativement simple, mais qui engendre parfois des petites erreurs et une sortie en double vrille avec un petit sursaut. Pas beaucoup de difficultés pour ce gymnaste, mais on sent qu'il a dû avoir quelques petits problèmes de genoux. Il n'a pas vraiment le gabarit atypique pour ce genre de travail au sol. Pendant ce temps-là, Maras, le grec, était au saut. Pour Blasios Maras et on passe au parallèle avec ici une entrée en bascule équerre, le maintien obligatoire. Il prépare le salto en dessous enchaîné d'un tippet avec une petit problème à la réception. On voit les jambes qui ont touché les barres, le heavy curl, pas mal d'hésitation, le Peters, le demi-tour sur une barre qui enchaîne le travail latéral en bascule sur une barre. Le travail braquage qui est une obligation dans ce nouveau code de pointage. Et la sortie en double arrière capé pilé. Mouvement relativement simple pour ces gymnastes avec une grosse erreur sur le tippet. Le lituanien donc Linas Gaveika, 925 à cet appareil. Termine 14e du concours, enfin du concours général par équipe. 14e des 24 choisis donc. On voit ça au ralenti. Ici le travail sur le bar qui prépare une descente pour effectuer une bascule. Jambes écartées. Ici le corps qui remonte à l'appui. La barre fixe, on voit l'allemand qui commence son mouvement avec un giga. Petit lâcher pour le belge donc. Le direct. Pour commencer le travail en lune à base de endo passé dorsal. Enchaîné d'un passage demi-dorsal. Le tour complet qui prépare la sortie avec un back double full. Un petit pas à la réception. Il a filé un peu devant, mais il a l'air content. Ouais, Gunther Kojcik, donc 18e des 24, il s'est qualifié en fait avec des notes assez moyennes, hein, même à 8,487 à la fixe. Mais c'est quand même un gymnaste qui arrive à se placer régulièrement dans les 10 premiers maintenant. Enfin, c'était le cas sur la saison dernière, sur des épreuves de Coupe du Monde, comme c'était le cas à Lyon ou à Côte Bus. On va le revoir, j'espère, au ralenti aussi.
maintenant on va passer directement sur le saut avec Vagad Stepanian, l'Arménien. Dixième à Patras, donc championnat d'Europe, au dernier championnat d'Europe de ce même concours. Il prépare à son Yurchenko, double vrille, qui sort complètement du tapis. Il était vraiment très mal parti dès le départ. Ouais, Kouchik qui reste à peu près dans les mêmes eaux qu'hier, à ce même appareil. Voilà, l'Arménien qui est complètement sur le côté droit du cheval, qui a du mal à terminer sa double rotation. On sent que les genoux ont été vraiment sollicités à l'arrivée. Oui, il y a sans doute une note inférieure à celle qu'il avait obtenue hier. 9.100 se prépare au parallèle maintenant. Je pense qu'il était Jenny Tankskanen, le Finlandais, le premier des Finlandais d'ailleurs. Tankskanen, il est bon, déjà un petit peu âgé, hein, souvenons-nous de lui, hein, surprenant champion du monde à la fixe en 97 à Lausanne. Un gros travailleur. Il commence très fort avec le passage brachial avec un demi-tour. Il se débarrasse des exigences dès le début du mouvement pour pouvoir effectuer ses grosses difficultés. Sorti en double carpé, ah, c'est vraiment un mouvement très court, il a vraiment rempli juste les exigences. Je m'attendais vraiment à ce qu'il mette ses grosses difficultés par la suite, mais il a fait vraiment le mouvement de base entre guillemets pour répondre juste aux aidements du code du pointage. Voilà, Stepanian, 900 hier, 925 aujourd'hui. On va ici au ralenti. La sortie, la seule difficulté vraiment du mouvement, avec un double carpé, avec un petit sursaut en avant. Ça rend pas du tout son agré, voilà, 8,487. Petite note pour le Finlandais. On trouve le Tchèque, Konecki, aux anneaux. Martin Konecki. Qui fait un bon concours par équipe, un septième. Il commence avec un Honma Kroeker pour remonter à l'avion. Position un petit peu haute, mais il maintient bien longtemps au passage à la croix. Le travail en élan avec le soleil, la lune. Il redescend à la suspension, c'est bien la première fois que je vois ça, pour effectuer un temps de ventre équerre. Certainement pour remplir son nombre d'éléments. Et la sortie en triple saut périlleux, pile chute pour le... Pour le... pour ponctuer son moment, c'est vraiment, à la fin, envoyer un triple comme ça, c'est vraiment surprenant. Ça vous a surpris? Ouais, je m'attendais plutôt à un double tendu ou un double tendu avec une vrille, mais là, un triple. Surtout je sais que c'est pas vraiment son agré fort, c'est plutôt la barre fixe. Il me semble qu'il est passé de très, très peu à la finale. Ross Brewer, pas un gros palmarès international, le britannique, mais gymnaste intéressant tout de même. Avec un saut Yurchenko, vrille, saut très simple. Il a effectué vraiment une vrille pour être sûr de pouvoir assurer sa réception. Ah, 9200. Il espérait peut-être un petit peu mieux parce que l'exercice avait quand même été assez brillant. Allez, on se retrouve aux Arçons maintenant avec Kriukov, Nikolaï Kriukov, qui est le plus orléanais
gymnaste russe puisqu'il s'est entraîné à Orléans 2-3 ans jusqu'en 2003. Oui, Nicolas qui parle très bien le français, qui a vécu pendant plusieurs années en France à Orléans avec son entraîneur, qui est un grand spécialiste des garçons. Krivoukov qui avait été bien champion olympique avec la Russie, il était encore junior d'ailleurs. C'est un gymnaste vraiment très talentueux qui présente vraiment des mouvements avec des contenus impressionnants. Champion du monde au concours général, c'était en Chine donc en 99 et toujours là. Il commence voilà tout de suite avec un travail sur Arson, avec des Russes enchaînés avec un travail de Tchèque. Il est le seul à réaliser. Il enchaîne directement avec son exigence sur l'Arson. Et un travail encore de cercle sur l'Arson. Le passage en ciseaux avec une amplitude déconcertante pour ce gymnaste. Il relance. C'est parti pour une balade Shivado, enchaînée d'un Mogini qui prépare sa sortie normalement en valse complète, à demi-valse seulement. Il a voulu assurer, mais c'est vraiment un mouvement qui part sur 10, il n'y a vraiment pas de faute. C'est d'ailleurs parfois ce qui lui joue des tours, hein, c'est de vouloir faire un petit peu trop compliqué. Oui, on a l'impression qu'il veut faire plus dur que ce qu'on demande. On va la sortir en demi-vase. Un petit peu en retrait dans les classements cette année, ces derniers temps. On est au parallèle ici. La barre fixe l'Arménien. La barre fixe, pardon. On commence avec à travailler en endo, jambes serrées, passé demi-dorsale. Le temps de Katchev écart. Ah, c'est le loupé pour l'Arménien. Et assez nettement. Hein. Ouais, il avait. Il était loin. Il était loin. On voit ici la préparation. Il écarte les jambes. Il a déjà trop tiré sur la barre. Et là, il peut plus. Il avait presque le bourrelet dessus quand même. Le bourrelet qui est cette petite partie de la manie qui permet au gymnaste d'effectuer justement ses lâchers de barre et surtout là, de pouvoir la rattraper sans glisser en dessous. Il est tombé tellement nettement qu'on a véritablement eu l'impression qu'il était loin, ouais, qu'il ne l'avait pas. Il n'avait qu'effleuré. C'est reparti, normalement il devrait recommencer son lâcher. Voilà, ici il a réitéré. Et là c'est un petit peu juste quand même. Il a voulu l'assurer en se mettant un peu plus sur la barre. Le passage dorsal. L'exigence en passage demi-dorsal. Le shtag d'air écarté. Et la sortie en back full. Avec un petit sursaut à l'arrivée, un back full corps presque tendu. Qui a filé un petit peu devant, on sent qu'il lâche un peu tôt. Plan sur Krivoukov avec une bonne note sans plus. On retrouve, c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs cet après-midi avec Igor Virovs, le Letton. Champion olympique au sol à Sydney en 2000. Présente au saut, un travail en tsouk, double vrille. Avec un petit sursaut à la réception, mais bon petit saut de base pour le Letton. Blessé il y a deux ans à Patras, il n'a pas pu participer. Il arrive ici, on l'a dit hier, assez revanchard. La 7-787 pour l'Arménien. Note vraiment très inférieure. Difficilement plus mal aujourd'hui. On voit ici au ralenti le Tsukara avec une double pirouette. Avec un petit sursaut en arrière la réception. Le Tsukara qui est une rondade au-dessus du saut de cheval. Virov s'était un petit peu raté, hein, 8-850 hier.
améliore quand même assez nettement aujourd'hui. Allez, c'est reparti avec les parallèles. Pavel Goffman. Israélien d'origine ukrainienne. Je pense qu'à la pause, on vous remontrera Dragulescu aux Arçons. Voilà, il commence son mouvement avec le roulé brachial, avec un grand élan, une exigence obligatoire. Le salto en dessous, petite flexion de bras. Le soleil double saut périlleux, rattrapé brachial. Le tipelt, ah, avec une petite erreur à la réception du tipelt. Le helicurl. Travail pour avoir son exigence avec un retour à l'équerre qui prépare un double carpé avec deux grands pas à la réception pour l'Israélien. Bon, il risque d'être assez sévèrement sanctionné hein, pour s'être quasiment assis sur les parallèles. Et oui, normalement l'élément n'est pas comptabilisé, donc il perd à la fois la valeur de l'élément plus ce qu'on appelle les liaisons entre voilà, le grand tour d'un bras, le helicurl en avant, qui normalement devait être associé à l'élément qui le précède. On voit ici le soleil double arrière groupé dans les barres arrivé à l'appui brachial. Parfaitement exécuté. Et un petit peu déçu, il faut bien le comprendre. Le seul mouvement, on l'a dit, ponctué par une réception plus que limite. Savenkov qu'on retrouve aux anneaux. Qui commence son mouvement avec son passage en bascule avion. Le Taïak à l'équerre, remonté à l'avion. Beaucoup de force pour ce gymnaste et le passage à la croix. Les forces sont vraiment bien maintenues. L'équipe par la planche rafléchie. Léger balancé pour effectuer sa lune. Passagère avec une autre lune. Il doit maintenir un petit déséquilibre du dos, le soleil et le double tendu, pile chute. Denis Savenkov qui a une revanche à prendre avec cet appareil, un 8762. Hier c'était sa plus mauvaise note, en fait sa seule note en dessous de 9.4. Il avait dû louper une force et la note de départ descend tout de suite dès qu'on loupe un élément à cet agré. Les liaisons entre les forces diminue fortement la note de départ. On voit ici le travail bras fléchi de l'équipe par la planche. Il ouvre les anneaux pour pouvoir assurer son maintien. Et la sortie en double saut périlleux, corps tendu, avec une chute parfaitement maîtrisée. Donc Igor Virovs et Nikolai Kriukov avec déjà une petite avance qui est prise tant par Martinez que par Dragulescu. Et le reste du classement, bien évidemment, je vous rappelle qu'ils sont 24 à s'être dégagés du concours par équipe hier, concours par équipe, je vous le rappelle également si vous n'étiez pas avec nous, ce qui était une grosse erreur, concours par équipe où l'équipe de France a terminé en trou cheval. Un gymnaste très bon génie à cet agré, avec le travail en ciseaux demi-tour. Ça lance beaucoup de rythme pour ce gymnaste, le travail sur les poignets, le travail en russe facial, qui sont des espèces de cercles sans cercle en fait, le travail en balade, la shivado, beaucoup de vitesse pour amorcer le travail sur Arson qui prépare la sortie en valse complète, en stock l'inversé valse, parfaitement maîtrisé pour l'Espagnol. Ouais, Espagnol qui est en gros progrès, hein. D'ailleurs troisième des 24 hier, ça montre bien que
C'est véritablement un gymnase sur lequel il va falloir compter. On regarde au ralenti. On ralentit tout de suite la prise de vitesse pour avoir le maximum de rythme afin d'arriver en fin de mouvement et d'avoir toujours cette vitesse. On va essayer de travailler en russe faciale où les mains et les épaules tournent complètement. Le travail sur Arson juste avant la sortie où il a besoin d'avoir de vitesse pour venir en bloquer avec son bras pour pouvoir effectuer sa sortie en pirouette tour complet. 9,662, ce qui l'amène pour l'instant, ce qui lui a fait prendre la tête à l'issue de la deuxième rotation. On repart donc cette fois-ci bien au parallèle. Nous sommes dans la troisième rotation. On se retrouve avec Vag Stepanian, l'Arménien. Aux arceaux, 925 au saut de cheval, et il attend sagement son tour au parallèle. Au parallèle hier, Stepanian qui se place quand même en 11e position des 24, c'est parti. Qui démarre son mouvement avec une bascule équerre. Le placement du dos à l'équilibre afin de pouvoir effectuer son salto en dessous. Le soleil double arrière. Ah, petit problème à la réception. Il manquait vraiment de rotation pour terminer ce double supérieur entre les barres. Le heli curl. Le tipelt. Pose de jambes sur les barres. Beaucoup d'erreurs pour l'Arménien. Et la sortie en double supérieur pilé. Double supérieur carpé. Pour ponctuer cette sortie. Beaucoup d'erreurs sur le début de mouvement, avec notamment le soleil double arrière. On a vu beaucoup de problèmes à la réception. On va voir là dans la descente, il manque vraiment de rotation. Il oublie de tirer sur les genoux pour terminer. Il ouvre vraiment tôt, là on voit les bras qui viennent en bloquer contre les barres. Il fait un roulé avant pour essayer après de rattraper son erreur. Et des arceaux qui n'attendent que Raphaël Martinez. Des anneaux, pas des arceaux. Avec un mouvement qui démarre très fort avec une bascule à l'avion. Avec un enchaînement en kayak à la croix car on sent qu'il essaie de remonter, il essaye et il a abandonné. Là il va falloir qu'il improvise un mouvement avec un soleil croix qui pour avoir son nombre d'éléments complets. Le retour à l'avion avec le Nakayama. Là, il s'en sort bien parce qu'il a dû vraiment se tétaniser les bras sur cette tentative de remonter de la croix équerre. Le passage à l'équilibre. Soleil. Soleil passager et la sortie en full in groupée. Double saut périlleux avec une vrille pour l'Espagnol. Martinez a obtenu un 9,512 hier. Ce ne sera peut-être pas le cas aujourd'hui. Ouais. 8,487. Stepanian, donc au parallèle, il en rigole. Ah ouais, le visage contracté, il essaye avec les maniques de prendre appui pour remonter, et là il n'y a pas moyen. Donc on voit le juge français Jean-François Volantino. On revient au sol. Avec l'Arménien qui n'est pas un grand spécialiste du sol, avec une vrille demi, vrille avant, barre à demi groupée. Deuxième diagonale en rondade, double vrille demi, salto groupé. Il était un petit peu de travers sur la réception de sa double vrille demi. Il travaille en sol.
virage latéral en rondade, salto groupé demi-tour. Il récupère avant la sortie qui va être effectuée avec une rondade tempo, double super groupé avec un petit pas à la sortie. Oui, avec elle, il fait déjà une grosse performance en se qualifiant dans cette finale. 20e hier, pour l'instant 8-612 au parallèle, 7-787 à la fixe. Alors qu'on voit le 8-950 de Martinez aux anneaux. Donc, manifestement en difficulté sur cet appareil, l'espagnol. Et on attend la note pour Aveikian au sol. Il sera en dessous de 9, je pense, de toute façon. On voit ce passage. On voit ici le passage en russe facial au sol avec le bassin qui manque un petit peu d'amplitude. Allez, je disais le vieux grognard de la gymnastique slovène devant son public, Pucic, qui a commencé son mouvement avec son passage en ciseaux. Le travail en vougognant qu'il enchaîne avec une balade Jivado. Et c'est la chute pour le Slovène. On le sentait quand même pas très à l'aise dès le départ. Bon, ici au ralenti, il met la main complètement à côté. Et 8-575 pour l'Arménien Aveikian qu'on a vu il y a quelques instants au sol. Le Slovène qui doit relancer son mouvement pour essayer de grappiller quelques petits dixièmes avec une combinaison sur Arson. Ah, il est mal parti, il va retomber. Il n'est pas retombé, mais c'était pas loin, véritablement en difficulté. C'est considéré comme une chute sur la grée, il a posé les pieds sur le cheval d'Arson, c'est vraiment, le mouvement est complètement loupé. Donc la note devrait être plutôt catastrophique. La note qu'on vous a donnée, 8-575. Au sol, Kriukov, 9-675 aux Arsons. Il commence son mouvement avec un travail en élan, avec le temps de ventre avion. Les positions sont impeccables, la croix de fer. Il récupère avant d'attaquer sa deuxième série de force. Ah non, il commence avec le Honma corps tendu à l'appui. La lune, Kroeki, qui fait en fin de mouvement, on voit les épaules sont un petit peu au-dessus des anneaux. Et la sortie en triple saut périlleux avec les poses de main à l'arrivée. Là, c'est vraiment le manque d'amplitude qui l'empêchait d'arriver sur les pieds à la réception. Ceci dit, les gens qui sont devant lui pour l'instant, à savoir Martinez, sont pas exempts de toute faute non plus. Ah ouais, le triple, il manque vraiment de rotation, il a vraiment les mains et les pieds en même temps. Assez dubitatif, Samuel Piasecki, qui se prépare au sol. Avec une entrée en rondade, double rythmie, salto groupé. Ah, il a loupé sa diagonale, il se retrouve au milieu du praticable. Il improvise une roue pour retrouver l'angle de l'autre diagonale. Rondade, vrille demi, vrille avant. On voit vraiment un manque de facilité et un manque d'amplitude dans l'exécution de ses acrobaties. Grand écart. Ah, il hésite.
à monter. La flexion de bras qui va lui être fortement pénalisée. Le travail en japonais groupé. Et la sortie en tempo double vrille. Avec un petit pas à la réception. Mouvement vraiment moyen pour ce gymnaste. Un peu perdu sur ce grand tapis. Il a dû improviser une roue en début de mouvement pour retrouver l'angle de la diagonale. Nous sommes toujours dans la troisième rotation. On va retrouver Virovs. Commence son mouvement avec une bascule taquée. Il maintient sur une barre pour préparer le hélicurl d'une barre. Il va enchaîner avec un hélicurl de deux barres et le salto avant brachial. Le double arrêt entre les barres bras arrivé brachial avec le roulé grand élan. Se prépare à effectuer sa sortie en double super écarté filé. Superbe. La note de départ n'est pas au maximal, mais la faute d'exécution est quand même relativement faible. Il devrait s'en sortir quand même avec une bonne note. Concours pour l'instant, hein, 9,50 aux arceaux, 9 aux anneaux, 9,425 aux sauts. Il faut qu'il limite sur ses agrès faibles la casse en faisant des mouvements avec des notes de départ pas forcément très élevées, mais avec une réussite maximale. Dragolescu aux anneaux. La boule de muscles roumaine avec ses petits bras va nous présenter un travail en force assez impressionnant avec une bascule avion pour remonter à la planche. Le soleil croit qu'il, les épaules sont quand même bien remontées. Le grand élan avion et le Nakayama qui maintient plus que largement. La bascule dorsale arrivée à l'appui à l'équerre. Le travail d'élan en soleil passager, soleil tenu. Il tremble un petit peu quand même. Et la sortie en full groupé. Voilà, programme bien rempli, beau contenu. Dragulescu qui est bien sûr l'un des prétendants au titre de ce concours général. Vous l'avez compris. On va aussi au ralenti la sortie en double saut périlleux corps groupé avec deux vrilles, une dans chaque salto, avec un petit sursaut à l'arrivée. Et tout sourire. Allez, au saut, maintenant. On n'a pas encore vu Thomas Andergassen. Pareil, lui fait un bon concours hier, hein. Il termine 6e. Il sera plus à l'aise aux arçons ou aux parallèles. Et il se prépare à effectuer un travail en souk double arrière. Là c'est Tukara avec deux sauts périlleux. Il arrive légèrement décalé, mais c'est vraiment un saut d'une difficulté très élevée. 9,400 hier pour André Garcène et puis 9,412 pour Dragulescu aux anneaux. Bon, ici le saut en rondade avec un double saut périlleux. Il attrape les jambes par derrière. Il arrive un petit peu décalé avec un grand pas, mais c'est vraiment un saut très très difficile à maîtriser pour la réception, puisqu'on arrive en saut périlleux arrière.
Et généralement, on a tendance à tirer plus que prévu pour éviter de se faire mal aux chevilles. Et donc, il vaut mieux arriver et faire un grand point en arrière et être légèrement pénalisé que se faire mal aux chevilles. Surtout lors d'un concours général où il faut vraiment présenter sur les 6 agrès du début à la fin des mouvements constants et des notes vraiment régulières. On revient au parallèle avec Blasios Maras. Maras qui est un tout petit gabarit, un tout petit gymnaste, ce qui lui permet d'effectuer un travail relativement en suspension, supérieur au travail en appui. Vous allez voir ici avec le tipette, il n'a aucune difficulté pour passer en dessous des barres parallèles. Le Diamidov ennemi rentre à l'intérieur des barres. Le demi-tour sur une barre appelé Peters. Le travail latéral. Le liqueur d'une barre. Et le liqueur des deux barres. Et le liqueur brachial. Et le travail en double saut périlleux écarté pour le grec Maras. Il est tout jeune encore, hein. On a l'impression de le connaître depuis longtemps, mais il a 21 ans, il va d'ailleurs participer à ses premiers Jeux à Athènes, on peut imaginer que c'est important pour lui. Oui, c'est vraiment très important, et il essaye vraiment d'être le plus régulier possible avant l'échéance fatidique des Jeux Olympiques, avec toute la pression et les enjeux qu'il peut ressentir, étant donné que les Jeux se passent à Athènes. À la fixe hein, qui reste son élément de prédilection. Roman Zazuliak qui est un gymnaste très longiligne et qui va présenter une entrée en Azarian passage à l'avion. La position est vraiment parfaite, le Nakayama. Bascule avion. Et la croix qui ponctue ce passage en force. C'est un gymnaste qui a énormément de classe, qui a une ligne de jambes qui fait la différence avec d'autres gymnastes. Qui est très fin mais malgré tout très puissant. Travaillant de lune. Et la sortie en back full corps tendu. Un petit sursaut à l'arrivée. Très bon mouvement pour Roman Zazulia. Qui est quand même un petit peu en retard sur son tableau de marche pour l'instant. 9,050 au sol, 9,75 au cheval. Là où elle 9,350 pour Maras au parallèle. Zazulia qui devrait, puisque c'est l'un des prétendants quand même au podium, devrait accélérer un petit peu la machine. Là on a revu la très belle sortie du grec de Maras. Que l'on voit ici repartir vers de nouvelles aventures, c'est-à-dire la quatrième rotation. On va avant cela vous donner le classement après cette troisième. C'est toujours la grosse bagarre. Zazulia qui reste au contact avec ce 9625 aux anneaux. Mais pour l'instant, vous le voyez, toujours la bagarre. Dragulescu et Martinez devant. Et puis derrière, ben c'est très ouvert hein, avec quasiment une dizaine de gymnastes dans un mouchoir. Zazulia, Virov, Konechny, Savenkov, André Garsen, etc. Donc a priori peut-être Dragulescu et Martinez qui vont peut-être se dégager très légèrement. Et encore, c'est pas dit. Mais ça reste, et pour le titre et pour le podium, extrêmement ouvert alors que nous allons, je l'ai dit, démarrer la quatrième rotation. Je pense que maintenant on va revoir quelques gymnastes que l'on a pu rater dans des
Alors, ça sera Savenkov que nous allons voir au saut. Alors que vous le voyez, on s'échauffe. Le voici. Savenkov qui fait un saut en tsouk double vrille avec un grand pas sur le côté. Il sort légèrement du cadre, vous voyez les lignes au sol qui limitent la zone d'arrivée du gymnaste. On voit la note 9,262. Légèrement inférieur à ce qu'il aurait pu attendre. On est passé là, on est revenu en direct à l'échauffement. Nous sommes ici aux Arçons avec ce concurrent qu'on a vu au sol il y a quelques instants. Le jury qui en profite pour se désaltérer. On va revoir Konechny au saut encore. On reste sur le saut. Il arrive. Et on voit ici le travail de préparation au saut de cheval. Voilà, Konechny au ralenti. Avec un souk double vrille et demi. Avec, il décale complètement à l'arrivée. Là, il y a vraiment une grosse pénalisation. Il arrive complètement en arrière et sur le côté. Voilà, note 9,025. Qui reflète pas du tout la valeur du saut initial. Moment de repos aussi pour le jury qui lui aussi est concentré sur les diverses exhibitions. On a peut-être le temps de revoir un gymnaste à un autre appareil, à moins qu'on reste sur le direct, sur l'échauffement, alors que les gymnastes, vous le voyez, sont en train de reprendre contact avec leurs appareils. Le groupe des quatre premiers sera au saut, avec Kriukov, Dagrulescu, Zozulia et Martinez. C'est toujours cette grosse bagarre, hein. Dragulescu 28-649, Martinez 28-224, et puis après derrière, je disais, une dizaine de gymnastes qui sont quasiment dans un point. Donc c'est encore la grosse bagarre, tout cela va se décanter au fur et à mesure que les gymnastes pourront faire la différence sur leur élément favori. Et on trouve Kriukov au saut. Kriukov qui fait un saut en lune double avant, groupé, parfaitement maîtrisé, avec un renversement avant, avec deux sauts périlleux groupés. Il arrive non seulement loin et complètement avec une amplitude impressionnante pour un saut d'une valeur aussi importante. Ici, la prise sur le tremplin, la pose de main et le double avant. Il arrive, on dirait qu'il se pose, il fait un léger sursaut. Et tout cela remarquablement en ligne. Les genoux légèrement écartés pour essayer de prendre le plus de rotation pour arriver à ouvrir légèrement avant l'arrivée. Pour l'instant, des résultats relativement en dents de scie. L'Arménien Ayrton Avelian au cheval d'Arçon. Il commence son mouvement comme beaucoup de gymnastes avec le passage en ciseaux. Beaucoup de gymnastes optent pour la même construction de mouvement avec le passage en ciseaux, les exigences et les,
traversée de cheval. Ici la Balachivado, le travail sur les poignets qui normalement devrait ponctuer sur une sortie en valse. Voilà ici le placement et là-bas ça, il fléchit les jambes avant d'arriver. Il s'en sort bien quand même, il a dû rattraper en fléchissant les jambes, mais le reste du mouvement était quand même bien net. Ici il travaille sur la poignée, où il essaie de garder le rythme pour pouvoir venir en buter contre le cheval pour en commencer sa valse. Il met sa main légèrement sur le côté, ce qui lui oblige à faire une petite flexion de jambes pour rattraper, pour éviter de tomber du mauvais côté du cheval. Il se bagarre en tout cas sur ses agrès, hein, Avetian. Ce gymnaste arménien, il lâche pas le morceau facilement. Glas Pujic. Un grand gabarit pour les anneaux. Il va nous montrer plus un mouvement axé sur les élans. Commence son mouvement avec un grand élan en planche, voyez, voilà. Il a les anneaux très serrés le long du corps pour éviter d'avoir à forcer le temps de ventre équerre. Le placement du dos, on voit qu'il a du mal à arriver jusqu'à l'équilibre. Soleil. Il redescend l'appui pour faire une bascule dorsale, certainement pour avoir son nombre d'éléments. Un gymnaste qui doit présenter 10 éléments aux anneaux. Le soleil passager et la sortie en full in groupé, pile chute. Petit mouvement avec un gabarit aussi grand, c'est vraiment très difficile de faire des anneaux et d'être fort. Il a vraiment fait la force la plus simple en positionnant ses mains le long du corps. Alors on voit ici l'Arménien avec un 950 qui s'est fait quand même assez pénalisé sur cette sortie avec la flexion de jambe. Beaucoup de difficultés pour le Slovène d'ouvrir les anneaux pour maîtriser son équilibre. Pujic qu'on voit beaucoup, hein. Bon, il s'est qualifié de justesse et bien évidemment la télévision slovène nous montre l'unique participant qui est là dans cette finale, Dragulescu au saut. Dragulescu au saut qui a vraiment un saut très spectaculaire, qu'il est le seul à réaliser au monde pour l'instant. Le Dragulescu. Le Dragulescu. Lune double avant avec demi-tour, c'est bien cela? Oui, c'est un saut par renversement à l'avant, vous allez voir, ça va très très vite. Voilà, double avant, demi-tour, parfaitement maîtrisé avec un petit pas sur la réception, mais c'est vraiment le seul à pouvoir réaliser un saut de cette amplitude. Les juges ne lui entendront vraiment pas compte de ce petit pas à la réception. C'est le champion d'Europe en titre, hein, au saut. Il domine vraiment la discipline du saut de cheval et du sol. Vous pouvez voir le ralenti de cette double avant demi-tour. Ici la prise d'appui avec les épaules très beaucoup de vitesse et le demi-tour il ouvre vraiment très tôt pour apercevoir le sol le plus tôt possible. Ouais, pour l'instant il est intouchable. Hein. Il prend énormément d'avance avec cette note au saut de cheval. 9762, ça lui permet de se démarquer de ses concurrents et de prendre le petit plus qui peut-être fait la différence par rapport à ses agrès faibles comme le cheval d'Arson. Allez, Savenkov au parallèle. Savenkov qui s'est un petit peu raté aux Arsons, 8912, mais ensuite 9437 et 9262 aux Arsons et aux Sceaux. Il commence son mouvement avec une bascule latérale pour effectuer le travail en salto en dessous. Soleil double arrière carpé entre les barres. Très grosse difficulté. Le demi-diam sur une barre enchaînée d'un helicurl enchaîné d'un autre helicurl. Beaucoup de travail technique sur le travail en appui. Et la sortie en double saut périlleux carpé. Un petit sursaut à la réception. Mais il y a vraiment beaucoup de contenu dans ce mouvement.
le soleil double supérieur, corps carpé. Difficulté vraiment très difficile. On revient à la fixe cette fois-ci. Igor Dirovs, on l'a dit, du bon et du moins bon dans sa compétition pour l'instant, mais des notes toujours au-dessus de 9. 9,50, 9,425, 987. Là, ce qui essaie d'être constant, qui va essayer à la fixe de présenter un mouvement avec le maximum de difficulté, avec une entrée en endo dorsal, sauté dorsal. Préparation pour le lâcher de barre qui devrait être effectué en Kovacs corps groupé. Beaucoup de fautes sur l'ouverture du Kovacs quand même. Le Ribalco rattrapé prise mix. Encore des travaux en retour à la barre pour obtenir sa note de départ à 10. Il va accélérer afin de faire le triple supérieur. Pile chute pour ce gymnaste à la barre fixe. Le triple supérieur en sortie de mouvement. Avec une dernière rotation qui n'est pas excessivement rapide. Ouais, mais il avait quand même très haut. Beaucoup de hauteur. Ce qui permet d'ouvrir pour aller chercher son sol pour justement effectuer cette pile chute qui permet au gymnaste de grappiller le petit dixième de la réception et de donner une image vraiment positive à son mouvement. On voit ici le lâcher de barre en Kovacs corps groupé avec une très grosse faute à l'ouverture des jambes, mais je pense que selon l'emplacement des juges, il ne sera pas pris en compte, alors qu'ici on voit encore une fois le Kovacs. Le double supérieur au-dessus de la barre. Ici un plaisir. Ukrainien Roman Zulia qui se présente au saut pour effectuer cette lune double avant groupée avec une chute à l'arrivée. On l'a senti courir bizarrement, un petit peu les épaules en arrière. 4 снаряды, еще 2. Еще 2. Voilà, ce qui veut dire pour l'instant, ça va bien. Ouais, il est en course pour l'instant, il a quand même réussi à avoir une note plus que satisfaisante avec un 9,350. Alors ici on voit la lune double supérieure. Il était légèrement en arrière, même beaucoup en arrière. Il a essayé de se rattraper en faisant un pas, mais il lui manquait vraiment de la rotation pour pouvoir essayer de rattraper ce déséquilibre. Ah, il est sur les talons. Hein. C'est intéressant de voir la place de Virovs après cette quatrième rotation. Et parallèle. Gassen, Thomas, André Gassen. Allemand qui s'est équipé de protection autour des bras pour effectuer les doubles rotations pour éviter justement ces frottements à l'arrivée et parfois ces impacts lorsqu'on est mal placé. Et s'il doit marquer des points cet après-midi, c'est bien ici au parallèle. C'est parti pour l'Allemand avec une bascule équerre, placement du lourd. Se concentre pour effectuer le salto en dessous, demi-tour, tour complet. Et c'est la chute. Il repart, mais là c'est fini pour lui. Le salto, il est. Voilà, là c'est catastrophe. Là, il aurait dû redescendre dès la première chute pour essayer de recommencer l'élément. Envieux de trop bien faire hein, parce que je te disais ce sont les parallèles hein, qui doivent lui apporter des points. Là on voit ici le salto en dessous, demi-tour qu'il essaie de rajouter sur la fin pour que ça lui fasse un salto en dessous diamidov. C'est vraiment ce qu'on appelle une super E, c'est la difficulté maximale aux barres parallèles. Et là il est trop sur le côté, il n'a pas réussi à rester à l'intérieur des barres. Il recommence son mouvement. En sous-bras tendu et ici la double rotation
voyez les protections qui permettent d'amortir à l'arrivée. Beaucoup de changements de face pour ce gymnaste. Le temps de ventre, Strolli et le demi-tour qui doit préparer la sortie. En double saut, perruque carpée, puis chute. Ah, c'est vraiment dommage parce que s'il avait passé sa combinaison du départ, on aurait eu à faire vraiment un mouvement de finaliste et de médaillable. D'un coup dur, hein, c'est quasiment ce qui peut arriver de plus dur à un gymnaste dans un concours général, dans une finale du concours général individuel, c'est d'arriver sur un appareil fort et puis de vraiment tout rater parce que là il a tout raté. Il est vraiment passé à côté de son moment. Pasios Maras, on va retrouver à la barre fixe. Qu'on retrouvera aussi demain en finale. Qui, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, a un gabarit qui lui permet d'avoir un style très particulier, très rapide. 9,662 à la fixe hier. C'est parti pour Maras. Ça part très vite, attention. L'élan de demi-tour. Se positionne en lune pour effectuer son lâcher de barre. En double saut périlleux avec demi-tour. Parfaitement réalisé. Le Pégane qui l'enchaîne avec un ribalco en gyroscope. Le endo, passage dorsal. Sauté dorsal. Endo écart. Avec un Kemot, il prépare à la sortie, la prise de vitesse et le double tendu avec deux vrilles. Super. Il chute. Voilà, c'est vraiment magnifique ce mouvement. Il marque des points pour la finale de demain. Là. Thomas Andergassen, tout à son désarroi. Alors voici la préparation pour le double saut périlleux avant avec un demi-tour qui rattrape à bout de bras. Ce lâcher de barre d'ailleurs a été inventé par un Slovène, le Pégane. Allez, on revient au sol maintenant. Yanni Tanskanen. Grand gabarit de la gym. C'est rare de voir des gyms aussi grands et aussi massifs. Avec une vrille et demie tendue, vrille et demie. Pas d'hésitation à la réception. Le travail au sol en russe, facial. Avec une très belle ligne de jambes. Latéral avec un salto arrière groupé demi-tour. Il a effectué qu'une seule diagonale dans ce mouvement. Donc il doit prendre son temps pour entrer dans le temps obligatoire du code de pointage. Et il sort en saut de main vrille Barani. C'est un mouvement assez différent de ce que présentent les autres gymnastes. Il présente qu'une seule diagonale à l'entrée, donc il a une note de départ qui doit être très inférieure aux autres. Et il sort en travail en avant. C'est assez surprenant de voir des mouvements avec des constructions pareilles. 9,762 à la fixe pour Maras. Et concernant Tanskanen, Yanni, c'est un petit peu une carrière. Pas une carrière gâchée, hein, mais champion du monde à la fixe, j'ai dit en 97. Ensuite, il avait été blessé deux ans après. Et on a l'impression que, en fait, soit on ne s'est pas occupé de ce gymnaste, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est assez bizarre qu'en ayant été champion du monde une année, il n'ait pas eu plus de résultats par la suite. Allez, on se retrouve aux Arçons. Avec ces mouvements, avec le travail en cercle au milieu des Arçons. Le travail de balade en avant, enchaîné avec petit déséquilibre, il essaye de rester dessus. Il relance le cercle pour c'est la chute. Ah, c'est original, il a fait une balade avec des pirouettes tout le long du cheval.
Et là, il met sa main à l'envers pour essayer de faire un tour complet sur Larsson. Et il a mal mis sa main dès le départ. C'est dommage pour ce Portugais qui faisait un bon championnat avec notamment 9,212 au sol, 9,50 au parallèle, 8,937 à la fixe. Il aurait pu marquer des points intéressants. Allez, il reprend. Surtout qu'il est tombé juste avant sa sortie. Vous allez voir, il lui reste plus grand chose à effectuer. Voilà, le tour qu'il avait loupé, il relance et la sortie. Beaucoup de fautes quand même pour le Portugais. En valse complète. Voilà, c'est d'autant plus rageant quand ça arrive vers la fin. Même si on commence à fatiguer, bien évidemment. On arrive à la fin de cette rotation. Je pense qu'on va se retrouver aux anneaux, je pense. Attends, un petit regard de Tanskanen à sa note. Pas génial. Non, finalement, on va terminer avec la barre fixe, avec Bag et Stepanian. L'Arménien qui va essayer de faire mieux que son compatriote, qui avait loupé le lâcher de barre tout à l'heure. Allez, prise d'élan, c'est parti. Soleil. Préparation de catch-off. Et le catch-off écart, parfaitement maîtrisé, à bout de bras. Il présente le même mouvement que son confrère. Ah, oh là là. Il a eu chaud là. Ah, il a eu chaud là. Parce qu'il aurait pu partir très loin. C'est le problème de ces passages dorsales, on se rend pas compte à chaque fois qu'ils sont bien réalisés, mais dès qu'on met la main à côté, bah là c'est tout de suite la chute assurée. On voit ici la main qui est mal placée, le bourrelet de la manie qui se met pas sur la barre. Et là il a eu de la chance de pas lâcher la barre parce qu'il aurait pu partir très loin là. Voilà, là il manque un chouïa. Il s'est bien rattrapé quand même. Ouais, et puis on peut largement se blesser sur la main qui reste. Ouais ouais. A-t-il réessayé ? Pour essayer d'avoir ce nombre d'éléments. Et oui, là c'est un petit peu juste, mais il a réussi à... C'est difficile quand on vient de louper une fois de remonter tout de suite sur la barre et de refaire cet élément. Là, la sortie en back double full avec un petit pas à la sortie. Le back double full, c'est un double saut périlleux tendu avec deux vrilles dans le deuxième salto. Il a dû se faire un peu peur quand même. Un petit frère, ça soulève un petit peu le cœur à chaque fois quand qu'on loupe ce type d'élément. Du gymnaste et des spectateurs aussi, parce qu'on se rend bien compte que là, s'il lâche, il peut partir largement au-delà des tapis de réception. Donc, se faire très mal. C'en est fini pour cette quatrième rotation. Et toujours la grosse bagarre en tête. Enfin, Bragulescu 38-411, ensuite quasiment un point derrière Rafael Martinez, l'Espagnol, et puis un bon demi-point derrière ensuite Denis Savenkov, et ça commence à s'étirer un petit peu comme on va le voir sur les classements qui ne vont pas tarder à apparaître. Voilà, bah maintenant il faut récupérer mentalement et se concentrer sur les deux derniers appareils qui restent. Après ce 8 pointé à la fixe, Bragulescu qui prend le large un petit peu. Rafael Martinez qui est décroché légèrement, mais qui reste quand même à bonne distance du groupe qui suit, où Zirov, vous l'avez vu, a fait quand même un bond intéressant. Maras Vlasios en 5e position, Roman Zozulia en 6e, qui a un petit peu peiné sur ce dernier appareil, et Kriokov en 7e position. Et Blaz Pujic, le Slovène, pour fermer la marche. Échauffement de la 5e rotation, que c'est mignon. Voilà, on croit qu'on est tout seul au monde et finalement
il n'y a que 12 millions de personnes qui vous regardent. Je pense qu'on va voir aussi quelques retours sur cette rotation. Nous attendons un petit peu comme vous. Voilà. Rafael Martinez qu'on va revoir au saut. Rafael Martinez qui présente un saut en Tsukara double vrille-mi. Là, il est complètement à côté des lignes de réception. Il effectue un petit pas sur le côté. Le saut est quand même bien réalisé, mais on voit qu'il part complètement sur le côté. En arrivant les deux pieds en dehors des lignes qui délimitent la zone d'arrivée du gymnaste. Avec en plus un grand déséquilibre vers l'arrière. Voilà Martinez qui est de toute façon toujours en route pour un podium, mais ça ne sera a priori pas la médaille d'or, hein, sauf renversement de situation extraordinaire dans les deux derniers appareils. Allez, ben, on revoit Kochniki. Konechny, pardon. Le tchèque au parallèle. Il commence son mouvement avec un grand élan. Le salto en dessous, bras fléchi. Ah, il a loupé, il a dû enchaîner un temps de ventre pour pouvoir rattraper son erreur. Encore un temps de ventre avec le salto écart entre les barres, rattrapé à l'appui. C'est un élément qui est très dangereux pour les doigts et les poignets. Le demi-tour sur une barre. Qui enchaîne un travail latéral. Et la sortie en double saut perruque arpée pilée. Mouvement pas très difficile au niveau du contenu, mais assez impressionnant quand même. Konechny actuellement 9e. Belle assistante dans cette petite mais très fonctionnelle salle Tivoli à Ljubljana. Ragulescu largement devant, quasiment un point devant Rafael Martinez, puis Savenkov en troisième position. Le Letton Igor Zvirovs en quatrième qui a fait une très très belle remontée. On va le ralentir. Toute la force, la contraction du visage de l'Islandais qui essaye de remonter. Ah, vous voyez vraiment, il donne tout ce qu'il a là. Tous les muscles de son corps tendus. Sur Igor Virovs qui est en train de réaliser une belle remontée. On le retrouve au sol. C'est ça qui est son agrès de prédilection puisqu'il a obtenu une médaille d'or aux derniers Jeux Olympiques à Sydney devant le Russe Alexei Nemov. Donc c'est pour lui un atout d'avoir le sol dans ses derniers appareils. 9600 hier. Et puis cette année, premier à Côte-Bus également. Et bien évidemment, finale demain. C'est parti pour Igor Virov au sol, avec beaucoup de travail en vrille. Voir avec une vrille et demi arrière, vrille avant, vrille et demi avant. La deuxième diagonale avec une, on a double vrille et demi, salto avant groupé, salto avant, un et demi roulé. Voilà, les réceptions sont parfaitement maîtrisées. Il n'y a pas de petit dixième à enlever pour les petits pas sur le côté. Le travail sur le côté en diabolique groupé. Une vrille et demi, corps groupé, arrivé en roulade avant. Ce
qui permet au gymnaste de ne pas être pénalisé sur les réceptions puisqu'il effectue une arrivée en sol en roulade avant. Le travail de l'équerre italienne qui permet au gymnaste de récupérer avant d'attaquer les derniers moments de son mouvement. Et la sortie en rondade flip. Full in back, groupé, un grand pas à la réception, il sort du praticable. Assez dommage là. Il a voulu trop tirer sur les jambes pour être sûr d'arriver debout, mais il a mis trop de rotation à la réception. Et ça s'est fortement pénalisé. Surtout qu'il sort du praticable. Ouais, ici, il n'était pas si mal placé que ça, mais pourtant il a vraiment tiré. Et hop, il part en arrière et il sort complètement du praticable. C'est vraiment dommage parce que le reste du mouvement était vraiment impeccable. Bagulescu au parallèle. C'est pas là qu'il est le meilleur, mais bien évidemment, pour lui, maintenant, il faut assurer. Il termine sur deux agrès vraiment très difficiles à gérer au niveau du stress. Les barres parallèles et la barre fixe, tout peut arriver. Entrée en kippette, mais un petit peu juste. Un petit peu les épaules en arrière. Le Helicker, salto avant un quart, arrivé à l'appui. Le double arrêt entre les barres. Il a tellement de gros bras qu'il ne met même pas de protection pour éviter les chocs. Le demi-tour sur une barre. Et la sortie en double saut PR écarté. Avec un petit pas à la réception, mais le reste du mouvement était pas si mal que ça. Il s'en sort bien parce que les barres parallèles, c'est pas vraiment son agré favori. Il y a une marge d'avance quand même. Hein. Et pour l'instant, la première place de l'Europe, c'est quand même assez provisoire. Au moment où on détermine la première place de Zirov, on n'a pas encore la note de Dragulescu, bien sûr. Voici le salto carpé, il a eu du mal à passer la jambe gauche. Dragulescu qui sait que cette fin de concours sera assez difficile pour lui. À la fixe, Savenkov. Biélorusse qui commence son mouvement avec une prise de vitesse pour effectuer son premier lâcher en Kovacs Vri, rattrapé à bout de bras. Le Stadler tour. Encore un Stadler pas assez dorsal. Le travail en endo. C'est un Stadler inversé, pas assez dorsal, sauté dorsal. Il met du temps à aller chercher sa barre. La prise de vitesse pour la sortie en double tendu, double vrille, écarte sur la fin avec un petit pas à la réception. Et il a ramené un petit peu trop les jambes sur la réception. Bon, mais tout de vrai. 962, c'est quand même pas une très mauvaise note. Et il reprend sa première place illico, bien évidemment. On va voir ça avec pour ralentir. Préparation qui avance la sortie en double tendu de bleuvry et là il carpe sur la fin, il pensait qu'il était peut-être plus juste que ça et ça lui oblige à faire un pas en arrière. Allez au sol Maras. 0,37 hier. Il commence son mouvement avec une rondette double vrille et demi. Ah, flip avant. Ah, il a complètement loupé sa diagonale là. Ah, c'est très difficile pour repartir pour sa deuxième diagonale quand on sait qu'on a loupé toute sa bonification. Là, une vrille et demi arrière avec une vrille et demi avant. On travaille sur le côté en salto arrière
avec un demi-tour. Le travail en Thomas, en grand cercle Thomas. De force qui permet de récupérer et la sortie de mouvement en rond d'appui double vrille. Petit mouvement pour le grec au sol avec cette grosse erreur d'entrée, mouvement très difficile de poursuivre quand on loupe complètement sa première diagonale. Ici la rond d'appui double vrille et demi. Il est tellement en avant qu'il ne peut pas enchaîner, donc il essaye de se rattraper avec ce qu'on appelle le flip avant. Beaucoup d'improvisation hein, dans ce programme. 925 pour Savenkov. Bonne opération, on trouve Zuzulia, Roman Zuzulia au parallèle. Bonne note hier, hein, 9650. Beaucoup de classe pour ce gymnaste à cet agré. Avec le salto en dessous, soleil double arrière groupé, beaucoup d'amplitude, le double arrière groupé entre les barres, le hélicard salto avant, écart à l'appui break, à l'appui prépare la sortie, double saut par le carpé, avec un petit sursaut à l'arrivée, mais le reste du mouvement est complètement nickel. Il n'est pas très très long aussi. Les difficultés sont tellement importantes qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup plus d'éléments. C'est l'avantage quand on fait des grosses difficultés, c'est qu'on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Là on voit ici le soleil double arrière entre les barres. Voilà, 9637 sur cette. Il a été noté assez rapidement. Il n'y a pas beaucoup de fautes dans son mouvement. Très long et très beau à voir comme gymnaste. Ah, c'est bien d'avoir ses notes au sol. Contrôle à la fixe. L'Allemand qui rentre avec un petit lâcher en Markelov. Le retour à la barre en endo, jambes écartées. Endo, jambes écartées, pas assez dorsale. Le direct pour être reprendre de la vitesse pour repartir pour sa sortie en back full tendu. Double tendu avec une grille, avec un petit sursaut sur le côté. Ça va bien ça pour reprendre confiance, Ander Gassel, après sa mésaventure au parallèle. Et même à cet appareil, 8925 hier, il fera beaucoup mieux aujourd'hui. Hier, vous avez annoncé la note, 9637 au parallèle. Bien sur le sol. Stepanian, back, Stepanian l'Arménien. Ouais, c'est intéressant de revoir l'Allemand en ralenti. Il a vraiment fait une belle prestation à la fixe. Les Arméniens ont la cote. On voit que depuis tout à l'heure, depuis le début de la représentation. Il commence son mouvement en travail en avant avec saut de mavri, salto avant groupé ennemi. Il le sort légèrement du praticable à l'arrivée. Rond date, vrille et demi, salto avant entendu. Allez, on voit qu'il y a un manque de rotation. Il devait sûrement enchaîner une troisième acrobatie. Le travail en cercle Thomas, monter à l'équilibre, redescendre. Le gogolade. Le travail toujours impressionnant de l'équilibre avec les bras écartés. Japonais, beaucoup d'amplitude.
sorti en ronde à tempo, double saut périgroupé avec un petit pas à la réception. Beau petit mouvement pour l'Arménien avec une petite erreur sur sa deuxième diagonale où on sentait qu'il devait faire une troisième acrobatie. Et pour vous dire pourquoi on vous passe autant ces gymnastes arméniens, déjà il faut essayer de montrer un petit peu tout le monde. On vous montre les favoris, mais on vous montre un petit peu tout le monde. Mais ils ont la chance que lorsqu'ils passent, il ne se passe rien ailleurs. Ce qui fait que la caméra est obligée de venir sur eux. Donc c'est une technique ça, pour passer à la télé, il faut aussi passer, essayer d'être prêt à un moment où il ne se passe rien ailleurs. Allez, on regarde Martinez, là ça commence à devenir, c'est très intéressant Martinez au parallèle. On commence avec un travail latéral. En bascule, jambes écartées, allez enchaîner dans l'hélicurl d'une barre, hélicurl des deux barres, salto avant, avec une petite touche de la jambe. Se positionne en bout de barre pour effectuer le tipelt. Balle arrière, et la double carpe, pile chute pour l'Espagnol. Très bon mouvement, très rythmé. Une petite faute. Petite faute, mais qui est pas vraiment très pénalisable. Il va peut-être prendre un dixième ou deux sur cette petite touche de jambe, mais tout le reste du mouvement est parfaitement réalisé. Il se ralentit le helicurl. Il enchaîne avec un salto avant écart, à l'appui. Il touche légèrement la barre. Les juges qui sont positionnés tout autour de la barre ne voient pas forcément la touche de barre. Terminer cette rotation, Martin Konechny, qu'on retrouve à la fixe. Vous allez assister à un festival de lâcher de barre. Avec une prise d'élan et un Kovacs vrille, bras tendus, le catch-off corps tendu, le catch-off écarté, le catch-off jambes serrées, enchaîné normalement d'un ginger, oui il a passé, parfaitement maîtrisé, tout à bout de bras. Engagé dorsal, le passage d'exigence en Kemox et la préparation pour la sortie en double tendu avec deux vrilles et c'est la chute pile. Et peut-être pas la première ovation, mais en tout cas les premiers applaudissements extrêmement nourris pour Martin Konechny, le Tchèque, qui a réussi à focaliser l'attention du public ici. Ah, il présente vraiment un mouvement très acrobatique et très aérien. On voit ici avec son premier lâché en Kovacs vrille qui rattrape à bout de bras. C'est vraiment un lâché très difficile à réaliser. Il va enchaîner avec une série de 4 lâchés en catch-off corps tendu qui rattrape à bout de bras, qui doit relancer pour un catch-off jambes écartées. Le catch-off carpé et jambes serrées et le dernier lâché en ginger qui rattrape vraiment à bout de bras. C'est vraiment un festival de lâcher et on comprend que le public ovationne ce type de mouvement. Et on termine au sol avec ce concurrent slovène, avec ce concurrent anglais, Ross Brewer. Anglais qui débute son mouvement avec une rondade vrille mi-salto. La deuxième diagonale est attaquée avec un tempo vrille mi, vrille mi. Vrille mi arrière enchaîné d'une vrille mi avant. Onda de salto demi-tour pour arriver au travail au sol en russe facial. Le placement du dos avec l'ATR, l'appui tendu à renverser qui doit être maintenu. L'élément de maintien qui permet de récupérer avant d'attaquer sa sortie en Y. L'anglais
Et qui termine son moment avec une ronde à fil, double saut périlleux groupé, avec un petit sursaut, avec quand même un bon sursaut à l'arrivée. Pas d'énormes difficultés dans ce mouvement, on n'a pas vu vraiment toute la difficulté qu'ont présenté les autres gymnastes. Parce qu'on voit 9712, bien mérité à la barre fixe. Ce mouvement qui a vraiment mis le public à feu. Et pour terminer maintenant, je pensais que on a terminé beaucoup plus rapidement, en fait il y a un petit peu de retard. On termine au parallèle avec Nikolaï Krioukov. Le Russe qui nous présente un mouvement avec une difficulté et une prise de risque maximale. Ah, il joue une partie de son podium là. Donc, il est salto en dessous. Salto en dessous. Demi-tour et c'est... Ah, c'est là, c'est fini. Dommage. Et il a mis la main légèrement de côté, il manquait un petit peu d'amplitude pour terminer son demi-tour. On voit au ralenti, quand il vient sur la barre, il lui manque encore un petit peu d'élan pour s'alléger, pour lui permettre de finir correctement et d'aller chercher sa barre. On poursuit avec un soleil tour complet. Avec un balancé intermédiaire, il est vraiment mal parti là. Le demi-tour sur une barre. Le double arrière avec une ouverture vraiment impressionnante. Le grand élan demi-tour, les helicurl. Et la sortie en double supérieur carpé avec un petit sursaut à l'arrivée. Avec beaucoup d'erreurs dans le mouvement là quand même. C'est dommage parce qu'il a vraiment un mouvement original et... Et avec une prise de risque vraiment maximale, c'est dans ce genre de mouvement qu'on a soit les meilleures notes, soit qu'on fait le plus de chutes. Ah bah, c'est une rotation qui s'est passée de manière un petit peu bizarre. Allez, je pense qu'on va par contre en terminer là, à la fixe, avec Niki Oeschenstein. Le Suisse qui débute son mouvement avec un travail en retour autour de la barre avec le endo dorsal, sauté dorsal. On a vu l'entraîneur à côté au cas où la main lâcherait. Et le Kovacs corps tendu, rattrape un petit peu juste mais il enchaîne quand même. Et le Kovacs vrille, beaucoup de fautes dans l'exécution mais quelle hauteur. Le soleil d'un bras et la sortie en double tendu, double vrille. Un petit pas à l'arrivée, mais vraiment un bon mouvement de la part du Suisse. Oui, qui fait un bon championnat hein, quand même. Hein. 850 aux arceaux, d'accord, mais ensuite 912 aux arceaux, aux anneaux, 9425 au saut, 9275 au parallèle. On n'attendait peut-être pas forcément aussi belle fête, mais il peut être content. On va ici au ralenti son premier lâché en Kovacs, corps tendu, qui attrape vraiment près de la barre, il arrive à relancer quand même, avec un petit écart de jambe. Là, le deuxième lâché en Kovacs vrille, avec une ouverture où il y a un petit peu de faute. Il a vraiment les jambes fléchies et écartées, mais c'est tellement difficile comme lâché. Vous avez vu le 8-300 de Krioukov au parallèle, ce qui va le reléguer aux alentours de la 10e place. Et dès qu'on fait des chutes, deux chutes sur un agré, là la note devient vraiment catastrophique et c'est trop difficile après pour pouvoir rattraper. Donc cette fois-ci, c'est bien la fin de cette rotation, c'est sûr. Et on va voir le classement et on va voir surtout ce qui sépare Dragulescu de Martinez. Et là, j'aimerais mieux qu'on vous montre quand même le classement pour qu'on puisse vous expliquer en fait ce qui va se passer. Voilà,
Marion Dragolescu, 47-573. Martinez qui a fait un bon retour, 47-174. C'est-à-dire que lors de la prochaine rotation, si Martinez doit l'emporter, il devra réaliser une note supérieure de 399 millièmes à celle de Dragolescu. Ça se passera à la barre fixe et ce sera d'ailleurs Martinez qui passera en premier, en deuxième position, Dragolescu passant en dernière. Ça peut peut-être donner une indication sur la conduite à tenir sur le programme à présenter aux Roumains. On va partir pour une ligne droite donc de ces championnats d'Europe avec la dernière rotation du concours général individuel. Et bien sûr, dans cette dernière rotation, on va avoir les yeux tournés sur ce qui va se passer du côté de la barre fixe, puisque c'est là que le titre va se jouer. Alors, difficile de dire, hein, Benjamin, 399 millièmes d'écart, ça va se passer à la barre fixe. A priori, Martinez a un petit avantage à cet appareil, mais est-ce que cet avantage sera suffisant pour combler les 399 millièmes? C'est toute la question. À la barre fixe, c'est vraiment l'agré où tout peut arriver. On l'a vu hier, notamment avec Alexei Nemov, qui a permis à la France d'obtenir sa médaille de bronze en loupant la barre fixe. Donc on verra, Marian Dragulescu passe dernier, donc la pression sera vraiment maximale pour lui. Mais c'est vrai que cet agré, tout peut arriver, et 3 dixièmes, on peut les avoir. Il faut rien lâcher. On regarde l'Allemand Ander Gassen, qui s'est un petit peu raté au parallèle. Et il peut espérer éventuellement terminer dans les 10 premiers. Là, c'est son dernier agré, donc il essaye de donner tout ce qui lui reste pour grappiller les derniers petits dixièmes. Donc, ici, l'équilibre bras et jambes écartés. Et la sortie de l'Allemand en rondade flip, double supérieur, corps groupé, petit sursaut à la réception. Soulagement d'avoir terminé sa compétition. Oui, un dernier salut au public. C'en est terminé, il se tient la cuisse. On voit ici le travail au sol, avec tout le travail des poignets pour les changements de face. Alors, vous ne voyez pas, mais c'est Maras qui se cache derrière le cheval. Lazios Maras qui peut pourquoi pas accrocher un podium. Le tout petit gabarit de la gym qui s'élance avec beaucoup de rythme tout de suite pour commencer avec une boucle en entrée qui l'enchaîne avec les traversées de cheval en balade et en chivado. La combinaison sur Arson, petite faute de jambe, rien de bien méchant. Le travail en ciseaux, demi-tour, et il relance pour s'attaquer à la sortie. Un petit peu d'hésitation et la valse tour petite hésitation sur la fin encore. Il est sorti du mauvais côté. Bon, ici le travail des mains sur la croupe du cheval et sur les poignets. Il faut aller chercher très vite ses appuis. La poignée n'est pas bien large. Voilà, c'est ce 7-900 hein, qui lui fait mal à Ander Gassen. On peut avoir une note en dessous de 9, c'est pas trop gênant, mais il faut que le reste suive. Le premier à se présenter à la fixe, Roman Zozulia, qui lui se bagarre pour le bronze. Qui peut essayer de l'obtenir parce que c'est un très bon gymnaste à cet agré. Avec une prise d'élan pour faire le coax corps tendu, enchaîné avec un Ribelco arrivé en prise mixte. Enchaînement très difficile et très rare. Le endo, passage dorsal, sauté dorsal. Il attrape très tard ses appuis, mais il s'en sort bien. Le Stader écarté. Et la prise d'élan pour effectuer sa sortie en double tendu avec De Vry. Et un grand pas à la sortie. Là, c'est dommage pour la réception là, parce qu'il a vraiment fait un très très bon mouvement avec vraiment une originalité au lâcher. En coax corps tendu, enchaîné avec un Ribelco. On va revoir ici le lâcher de barre. Le corps est complètement tendu. Petite faute dans l'ouverture, mais là il enchaîne directement
Henri Balco qui est une pirouette tour complet arrivée avec une prise mixte et l'autre en lune. Zozulia qui fait un bon championnat d'Europe, Maras aussi. Pas très bon au sol, ni aux anneaux. Cette petite erreur sur l'arçon, on revient au sol avec le tchèque, Konechny. Qui nous avait ébloui à la fixe avec son festival de l'archer. Il commence très fort son mouvement avec une double ouvrie arrière. Salto, salto et demi roulé. Originalité pour une entrée de ce type-là. Double ouvrie et demi avant, salto avant, salto et demi roulé. Ah, il était vraiment juste sur le deuxième roulé là. Encore un attendu et demi roulé avec un demi-tour. Et le travail au sol, je pense aussi pour récupérer de toutes ces arrivées en roulé qui sont assez traumatisantes quand elles sont réalisées comme ça parce qu'on est un petit peu sonné. C'est un choc à chaque fois et ça devient très difficile de se reconcentrer pour enchaîner la suite de son mouvement. Le saut de l'ange. Et la sortie en ronde à flip, double saut périlleux, corps groupé, avec un grand sursaut à l'arrivée. Programme intense. Et avec une première diagonale très originale, je ne sais pas si on va la repasser au ralenti. C'est celle-là où tu fais une tout. Ah non. Là, on voit la fin du mont en ronde à flip, double arrière groupé. Il me semblait qu'à un moment il a quand même posé un pied en dehors de la zone. Sur sa deuxième traversée, il me semble-t-il. Il a glissé, il me semble que le pied est parti en dehors. Two times. On retrouve l'Islandais Runar Alexanderson au bord parallèle. C'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs. Il commence son mouvement avec le grand élan pour arriver en bout de barre. Pour faire sa combinaison en salto en dessous, enchaîné d'un tipelt. On travaille sur une barre, le maintien sur une barre pour amorcer le. Ah, normalement il devait partir en heli là, c'est vraiment le loupé là. Très difficile où on est obligatoirement obligé de maintenir l'équilibre sur une barre avant d'amorcer le heli curl qui est un grand tour sur un bras. On va refaire le heli curl des deux bras avec un balancé intermédiaire sans qu'il est assez perturbé. On bascule sur une barre et la sortie. Avec une main sur. C'est dommage parce qu'il avait. En fait, il avait vraiment pilé la sortie, mais il s'est laissé aller. Et il a posé une main sur le côté. Il n'a pas une note au-dessus de 9, ce concurrent islandais. Et j'ai pas vu la note de Konechny au sol. 8,987. Ah ouais, quand même. Pénalisé par ses arrivées enroulées en sortie de praticable. Allez, début de la grosse bagarre à la fixe, Rafael Martinez. Ça démarre très vite avec une prise d'élan demi-tour. Préparé, les lâcher. En catch-off, corps tendu. Petite flexion de bras. À la relance. Le jet aller-retour. Le demi-ribalco. Le endo, jambes serrées, passage en dorsale, passage en dorsale. Il est assez long sur les, pour aller chercher sa main et ses appuis. Le endo, passé dorsale. Beaucoup de retour à la barre pour essayer d'arriver à 10. Et la prise d'élan pour la sortie avec un back full, un petit peu à la réception. L'essentiel y est quand même. Ah, le mouvement il est là quand même. Même s'il n'y a pas un gros contenu, même s'il n'y a pas vraiment
on sent pas vraiment qu'il est à l'aise. Il y a de quoi partir sur 10 et d'avoir pas beaucoup de pénalisation. Là, ça met la pression sur Dragulescu qui est obligé de réussir parfaitement son mouvement s'il veut pouvoir conserver sa tête du concours. La note de Martinez, bien évidemment, on va essayer de vous la communiquer le plus rapidement possible. Elle arrive parfois sur l'écran un petit peu avant qu'elle n'arrive sur les ordinateurs ici même. On retrouve ce concurrent suisse au sol, 9537 pour Martinez. Le Suisse qui démarre très fort avec un double saut et un corps tendu, pile chute. Deuxième diagonale en Rwanda flip, double vrille demi, salto groupé, vrille avant. Ah, il évite de sortir du praticable. Il enchaîne directement un petit saut de l'anche sur le côté. Il travaille au sol en russe facial. L'équerre italienne. Tous ces passages chorégraphiques permettent au gymnaste de récupérer et de souffler afin de vraiment se concentrer au mieux pour la sortie du mouvement. Et ici une ronda de tempo, un et demi roulé, un salto avant, un salto arrière corps tendu avec demi-tour roulé et la sortie en ronda de vrille et demi tendu, vrille et demi avant. Avec un petit sursaut à l'arrivée, mais vraiment faire une diagonale aussi fournie en acrobatie en dernière ligne, c'est vraiment très difficile. Ah, il peut être content. Voilà, Martinez bien évidemment heureux puisque ça oblige Dragulescu à réaliser une note supérieure à 938 pour être champion d'Europe. Ce qui est possible, mais ce qui est aussi largement possible qu'il fasse moins. Parce qu'on rappelle que c'est quand même pas tout à fait son appareil. On retrouve au parallèle le Sloven Pucic. Sloven qui a un grand gabarit pour les barres parallèles. Il va devoir adapter ses éléments en fonction de sa taille. Ici le travail en suspension, en salto en dessous. Demi-tour. Et Eli Curl. Rouler avant. Grand élan, coupé écart. Le salto au-dessus. Et la sortie en double supérieur corps groupé. Petit mouvement pour le Slovène. Prestation minimale. Minimale, mais bien réalisée, c'est propre. Voilà, avec l'envie de bien terminer son concours devant son public, devant les téléspectateurs slovènes qui ont quand même pu largement l'admirer. Et Bochestein qui est absolument tout sourire avec ce 9-4-25 au sol. Il n'en espérait pas tant. Bochestein qui fait lui aussi un bon championnat, hormis un 850 aux Arçons. Ici, le salto au-dessus. Très grand gabarit, très longiligne, un petit peu handicapé sur ce genre d'agrès. On retrouve le russe Nikolai Krukov à la fixe. Avec un mouvement très, très difficile aussi techniquement. Tout comme au bar parallèle. Avec un pirouette en entrée. Le Stalder. L'air tour. Toutes ces combinaisons en début de mouvement avec le Tchoukarine corps complet, tour complet. Le Endo jambes serrées, tour complet. Il va préparer au lâcher de barre en double supérieur avant et c'est la chute. Ah là c'est vraiment entre les parallèles et la fixe. Nicolas est vraiment à côté de la plaque. Il est vraiment pas du tout. Concentré dans la pression qui fait beaucoup d'erreurs. C'est d'autant plus dommage qu'il y a vraiment une place à jouer. Il a pris quand même beaucoup de retard avec les barres parallèles. Je pense que c'est peut-être ça qui a dû causer sa déconcentration pour la barre fixe.
termine avec... il est sur son tableau de marche, hein. Je veux dire, il tient une certaine note. Allez, la fin de ce gymnaste, Kriukov. Il va recommencer certainement son lâcher de barre. Et voilà, là c'est parfaitement réalisé, un petit peu de mal à relancer. Le end of tour qui est mode complet. Accélération pour faire la sortie en double tendue, double vrille, et c'est les mains par terre. Là c'est vraiment la totale pour Nicolas qui loupe complètement ses deux agrès, pourtant dans lequel il excelle habituellement, les barres parallèles et la barre fixe. Là, il a chauffé la barre pour Kragulescu qui passera immédiatement après. Bien évidemment, on a toujours un œil sur Savenkov qu'on va retrouver au sol. Savenkov qui débute son mouvement avec une rondade vrille et demi, vrille, vrille et demi. Pas d'hésitation à la réception. Deuxième diagonale en double vrille et demi, salto avant groupé, roulé. Ah, il a failli sortir du praticable. Apparemment le juge de ligne n'a pas levé le drapeau. Le passage en cercle Thomas. En tendu demi-tour roulé. Le Y qui lui permet de récupérer et de souffler un petit peu avant la sortie. Et c'est une ronde à fibre, double saut perruque carpé, un petit pas à la réception. Bon mouvement. On voit ici la sortie de mouvement double carpé avec une petite ouverture qui permet d'aller chercher son sol. Voilà, 825 pour Kriukov, désormais 11e. Comme tout le monde n'a pas terminé, il peut terminer encore plus bas alors qu'il était possible au podium avant de retrouver Dragulescu à la fixe. Un dernier coup d'œil aux Arçons avec Igor Zirovs. Il démarre avec son passage en ciseau avec un petit accroche. Il relance. C'est parti pour l'exigence et les traversées en balade. Et le retour en balade Shivado. Le travail de combinaison sur les poignets. On sent qu'il est mal placé, il fléchit un petit peu les jambes et là c'est la chute. Ah, il manque de rythme, on sent que les épaules sont pas du tout là où elles devraient être. Travail des mains pour essayer de rattraper le retard des épaules. Joël Larson qui est vraiment la bête noire des gymnastes qui ont du mal à garder le rythme du début à la fin du mouvement. Et la sortie en double valse. Il termine bien quand même. Ce qui est d'autant plus rageant. C'est assez frustrant généralement de tomber juste avant la sortie comme ça. Ouais, Virops qui va terminer pas très très loin du... même avec une note assez moyenne, sans doute le garçon, il devrait pas terminer très très loin du... où il aurait pu terminer pas très loin du podium. Allez, c'est maintenant que ça se joue. Marianne Dragulescu en tête pour l'instant, mais menacée par Martinez qui a réalisé deux très bons derniers agrès. Et le cut pour Marianne Dragulescu, eh bien, il est de 938. Il ne faut pas descendre en dessous de cette note. À 938, il partagera le titre avec Martinez. Au-dessus, il est champion. En dessous, il est second. Et c'est parti pour Marianne Dragulescu qui commence son mouvement avec la série des retours à la barre de Endo Kemoti. Sauter Kemotsu. Préparé à faire son lâcher barre. En Kovacs vrille. Ouh, il essaye de relancer, il fait le chien. Il reste dessus. Le passage dorsal.
Le Def attrapé à bout de bras. Ah, il lâche rien jusqu'à à la fin du mouvement. Le tour complet, la prise de vitesse pour la sortie. Et double tendu avec une grille, un petit sur l'arrivée. Ah, il a assuré la sortie pour être sûr de rester sur la première marche du podium. Sur le fil du rasoir, ça sera quand même juste. Hein, je veux dire, s'il remporte ce titre, ça sera pas beaucoup. Il lève le point parce qu'il faut toujours montrer qu'on est optimiste. Maintenant, les juges, vous voyez, 7837 pour Virov, donc très très sévèrement noté sur cet arçon. Et puis maintenant, on attend la note pour Dragulescu. On va repartir, je pense, sur un autre agrès. On va regarder d'un œil. La note, bien que je crois que Dragulescu était le dernier à passer, il n'y a plus aucun concurrent sur les autres agrès. Maintenant, on attend tout simplement la note de Dragulescu qui va apparaître, je vous rappelle, 938, c'est le cut. Je vous rappelle que demain il y aura les finales, bien évidemment, par appareil. Soyez avec nous. Et tout le monde a les yeux rivés sur le panneau où pour l'instant il y a juste le nom de ce gymnaste roumain qui peut ajouter ici à Ljubljana 9,225, il est champion d'Europe. Ce qui est assez mérité, je dirais, sur l'ensemble de la compétition, sur ce qu'on a vu hier et aujourd'hui. Ouais, il a vraiment été régulier, il a vraiment prouvé de tout le long de la compétition qu'il était le meilleur. Et même malgré ses petites fautes à la barre fixe, où on sent qu'il a vraiment tout donné pour essayer de grappiller les petits dixièmes pour éviter de laisser passer le titre, de laisser filer le titre. Et là, il a vraiment mérité sa première place. Voilà, pour 87 millièmes de points. À la gym, ça se joue vraiment à rien. C'est vraiment la compétition, c'est jusqu'au dernier moment, jusqu'à la dernière sortie du dernier agrès. Et c'est d'autant plus spectaculaire que la barre fixe où tout peut arriver, il n'a rien lâché, la pression il a réussi à la tenir et c'est vraiment d'autant plus méritant pour Marian Dragulescu avec cette sortie ici en double tendu avec une brique, un petit sursaut à la réception. Voilà, et Martinez qui peut regretter de s'être un petit peu planté aux anneaux parce que c'est là avec ce 8-950 qui perd le titre alors que Dragulescu, hein, je vous redonne ses notes, 9-712 au sol, 9-525 aux arçons, 9-412 aux anneaux, 9-762 au saut, 9-162 au parallèle et 9-225 à la fixe alors que Martinez a réalisé 9-612 au sol, 9-662 aux arçons, 8-950, donc c'est là que la catastrophe est arrivée aux anneaux, 9-325 au saut, 9-625 au parallèle et 9-537 à la fixe. En tout cas, merci à ces deux remarquables gymnastes de nous avoir livré un beau suspense qui a largement animé la fin de cette compétition. On les retrouvera les deux demain lors de la finale par appareil. Nous retrouverons également Jan Kučera au parallèle ainsi qu'à la fixe. Encore beaucoup, beaucoup de belles gymnastiques à voir demain. Vous avez pu voir la troisième place de Savenkov qui complète ce podium. Le Roumain Dragulescu, champion d'Europe, vice-champion d'Europe, Rafael Martinez, l'Espagnol. Et en bronze, Denis Savenkov, le Bélarus. Demain, la finale par appareil à vivre sur Eurosport. Merci encore une fois à Benjamin Varognon d'avoir été avec nous pour cette belle après-midi de gym, vraiment. Merci, oui, c'était vraiment du spectacle tout le long de cet après-midi et on espère que demain, on aura encore beaucoup de spectacles de la part de tous ces gymnastes. Et encore un dernier coup d'œil sur Dragulescu, formidable champion qui ajoute une ligne à un curriculum vitae déjà bien conséquent et qui, bien sûr, dans la vue d'Athènes, eh bien, se présente comme l'un des favoris du concours général. Bon, il y aura quelques Japonais, Chinois, Américains pour venir le titiller, bien évidemment.
mais enfin solide. Ceci dit, il est quand même à son maximum, alors que Martinez est loin d'y être. Donc, je veux dire, Dragulescu fait véritablement son concours, alors que Martinez en a quand même un petit peu sous le pied. C'est quand même une grosse erreur à un appareil. Oui, Michel Martinez qui reste quand même l'un des favoris pour les JO. Bah, c'est l'un des favoris, c'est forcément, en étant vice-champion d'Europe et en talonnant, je l'ai dit, 87 millième champion d'Europe en titre, forcément on est favori. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que ce sont des championnats d'Europe et qu'il y a des Japonais, des Chinois, des Américains, qui vont bien évidemment arriver sur le marché. Donc ça va ouvrir les possibilités de médailles. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour lui, c'est Benjamin Martinez? Martinez a commis une petite erreur, on se souvient, aux anneaux, où il a pas réussi à remonter une force. C'est celui qui est resté un petit peu bloqué, entre guillemets. Donc il a encore une marge d'erreur, une marge de progression. Et notamment aussi au saut de cheval, où il n'a pas réalisé son saut maximal avec un 9-325. Donc je pense qu'en peaufinant d'ici les Jeux, ces deux petits points faibles, peut-être qu'il va peut-être... pouvoir venir titiller les plus grands. Au moins pour un podium. Hein. Au moins essayer de se classer dans les 10 premiers, c'est déjà pas mal quand on est vice-champion d'Europe. Mais il ne faut pas oublier qu'il y aura des Français qui seront présents dans le concours général qui n'étaient pas là aujourd'hui. On le rappelle, les Français qui auront trouvé hier la troisième place hein, dans le concours par équipe. Merci à tous les deux. Puis on retrouvera, on a vu de très belles choses aujourd'hui. On en verra sans doute de très belles demain. Ce que Michel vous l'a dit, il y aura la finale par appareil avec tous ces champions. Notamment Martinez et Dragulescu, ils seront là tous les deux, Michel. Ah oui, oui, bon, nous reprenons quasiment les mêmes et on recommence avec, bien entendu, je l'ai dit, Yann Kutchera au parallèle et à la fixe, c'est demain. Très bien, demain à partir de 17h en direct, bien sûr. Merci Michel et Benjamin, on vous retrouve donc demain. À demain. À demain. Juste avant d'enchaîner, on va faire le point sur les dernières infos de cette journée. Tout d'abord le rugby, une semaine après avoir été éliminé de la Coupe d'Europe, le Stade français s'est imposé sur la pelouse d'Agen cet après-midi, 12-11 lors de la 12e journée du top 16. Une victoire qui rassure les Parisiens et surtout qui leur permet d'espérer encore un petit peu de se qualifier pour les play-offs. Le Stade français reste toutefois, vous le savez, suspendu.